Aussi Véronique Sanson dans un 20h30 le dimanche et j'ai eu un coup de cœur. Vous l'avez compris, moi je marche au coup de cœur dans la vie. C'est l'affect qui dirige et j'aime bien ça et je veux jamais que ça change. Évidemment, quand vous faites un 20h, il faut être un peu plus. Il faut le mettre de côté l'affect. Ouais, c'est vrai. C'est évident. Et j'étais là voir sur scène ensuite et sa sœur lui avait fait une surprise un jour sur une chanson qui s'appelle La loi des poules. Elle était montée sur scène avec un costume de poule. Et je vais voir Véronique. Sa sœur lui écrit des chansons aussi. Exactement, Violaine. Et je vais voir Véronique et Violaine Sanson donc à la fin du spectacle. On plaisante et je lui dis, tu sais, la prochaine fois, c'est moi qui ferai la poule. Et puis elle oublie, le temps passe et elle remonte sur scène et Violaine m'appelle. Elle me dit, t'es toujours d'accord pour faire la poule? Et je suis OK, mais à une condition, tu n'en parles pas à Véronique. Et donc, j'ai débarqué à la scène musicale en costume de poule. Effectivement, le hasard du calendrier fait que c'était un week-end où je remplaçais Laurent de la Housse. Donc, c'est le jour des frappes en Syrie. Donc, à 20h, je suis avec la ministre des Armées en duplex. Tout ça est très sérieux. Et à 22h, je suis à 1,5 km de France 2 sur la scène musicale. Et je suis effectivement déguisé en poule. Mais je crois que c'est Alphonse Allais qui disait quelque chose du genre « Rions de tout, car tout ça finira mal ». Voilà, je suis très mauvais en citation, mais c'est à peu près l'idée générale.